Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant le début des récoltes de blé en Argentine. Nous discuterons ensuite du retour des pluies au Brésil après plusieurs mois de sécheresse, avant d'étudier les pertes de surface française de blé. Enfin, nous ferons un focus sur la production de canola en Australie. En Argentine, outre l'élection du nouveau président, pour le moins surprenant, la surprise vient aussi des récoltes de blé qui ont commencé bien en avance, puisque cette année, déjà 20% des surfaces sont moissonnées. Les premiers retours des producteurs ont permis à la Bourse de Buenos Aires de revoir à la baisse la semaine dernière son estimation de production de moins 0,7 millions de tonnes à 14,7 millions de tonnes. Attention, pour avoir des repères, ce chiffre est supérieur à la récolte catastrophique de l'an passé qui était de 12,5 millions de tonnes, mais bien en dessous de la moyenne des 5 dernières années qui tournait autour des 18 millions de tonnes. Difficile d'imaginer des températures proches de 60 degrés Celsius au Brésil, températures qui doivent nous interroger sur le futur climatique. Le développement difficile du soja a entraîné les cours sur les plus hauts niveaux depuis plusieurs mois et pose toujours question pour les futurs semis de maïs. Cependant, le retour annoncé des pluies a rassuré un peu les opérateurs, mais seront-elles pour autant suffisantes pour inverser la tendance du marché? Quoi qu'il en soit, la période de risque climatique arrive bientôt et sera potentiellement source d'incertitude, au moins jusqu'à l'été prochain. Je vous en parle depuis plusieurs semaines. Malheureusement, les pluies incessantes en France comme dans le nord de l'Europe ne permettent pas la bonne progression des semis de blé. À l'heure où à peine 70% des surfaces sont semées à l'échelle nationale, la solde sera peut-être revue à la baisse. Alors certes, les prochaines semaines seront décisives, mais pour l'instant, la solde française est estimée à 4,5 millions d'hectares, en baisse de 6% par rapport à l'an passé. Le scénario de la campagne 2019-2020 est dans toutes les têtes et le développement des cultures sera à suivre de près durant les prochains mois. 5,2 millions de tonnes, c'est la production de canola attendue en Australie. En effet, les récoltes approchent et malgré le retour du phénomène climatique El Niño, synonyme de sec dans cette région du monde, les cultures de canola sont pour l'instant assez bien épargnées. La conséquence à prévoir est que l'arrivée prochaine des volumes australiens permettra d'alimenter le marché européen en plus des flux ukrainiens continus depuis la fin de l'été. Alors, les bilans mondiaux sont pour l'instant confortables, limitant de fait le potentiel de hausse du colza. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.